Jean-Louis, son jumeau! Ah non! 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 Ah
femme, et dites-lui, j'ai confiance en monsieur Coïc. Oui, bien sûr, je suis occupé. Excusez-moi, mais je dois vous rappeler avec une certaine insistance que lorsque vous êtes arrivé dans cet établissement, vous étiez supposé repartir immédiatement pour l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a eu des impondérables. Mais c'est certain. Mais comme je constate que vous êtes arrangé maintenant, plus rien ne vous revient, ni vous, votre ami monsieur Franck. Mais ne le prenez pas sur ce ton. Écoutez, Franck, je pense que la directrice a le droit d'avoir son point de vue, non? Mais elle devrait surtout avoir comme point de vue de ne pas autoriser d'ignobles partout dans son hôtel. D'ignobles partout? Franck, oui, juste en face. C'est si vicieux de monsieur et madame Bonneau. Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire. J'attends des explications de monsieur Bonneau. Explications? Mais c'est minimum qu'on puisse demander. Oui, je viens de lui demander toute la vérité sur les dégâts occasionnés suite 728. Mais je suis persuadé que vous avez des explications très valables. Bon, écoutez, Franck. Vous venez de parler à Bonneau? Oui, oui, près de l'ascenseur. Pour le fils de pute, Franck! Mais Franck! Franck, ici, Franck! L'hôtel Plaza sur le champ. Mais madame Bonneau est partie et monsieur Bonneau était sur le point de partir. Vous avez ravagé leur lune de miel. Ah, bravo, bravo, vous êtes content? Oui. Autre chose, monsieur Coy, pourquoi monsieur Bonneau promène-t-il son frère autour de l'hôtel dans un fauteuil roulant? Pour qu'il prenne l'air. Hein? Ah, je parle de Michel. Oh, non, oui. Michel a ingurgité une quantité phénoménale de vermouth. Jean-Louis a eu peur qu'il vomisse partout sur la moquette. Alors il a préféré le ramener chez lui. À Metz. Alors, à Neuilly. Monsieur Coïc. Monsieur Coïc. Monsieur Bonneau, vous êtes supposé être en route de la Seine. Enfin, je veux dire qu'il va longer la Seine jusqu'à Neuilly. Parce que l'air est tout frais. Il s'est levé. Levé, il s'est levé. Un type, dans son déroulant. Mais tout à l'heure, il va aller où? Du type au fond du boulot. Votre frère Michel. Oui, madame la directrice. Voulez-vous avoir l'esprit de gentillesse? Vous me laissez seul un instant, s'il vous plaît. C'est dressé sur ces deux jambes, dit. Et le type au fond du roulant. Oui, merci. C'est impossible, vous pouvez faire ça. Mais si. Mais pourquoi pas? Alors vous, s'il vous plaît. Mais il n'y pas, mon Dieu. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Mais non, mais t'as fait Michel. Il est descendu avec l'ascenseur. Il a dû aller vous dire que son verre coûte à la réception. Ah, ça va, l'affaire, vous n'êtes pas mort, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Bon, vous voyez, oui, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle géniale, monsieur Coïc. Ah, bah, pour le mort, oui, mais pas pour moi. C'est une nouvelle formidable pour nous. Nous ne sommes plus obligés de jeter dans la Seine. Je peux rentrer à la maison et laisser Mademoiselle Mourinho enfin rentrer chez elle. Dans lui, vous ne réalisez pas que c'est encore en vie. Il est capable de tout dire à propos de Mme Pénamou et moi. Au fait, avez-vous croisé monsieur Pénamou dans le couloir? Il avait l'air hors de lui. Bon, alors vous êtes en sécurité ici, cherche monsieur Bonneau. Mais je le sais, malheureusement. Non, rassurez-vous, il pense que vous êtes le docteur Olivari. Le docteur Olivari. Il faut absolument retrouver ce détective avant qu'il se retrouve derrière avec Franck. Oh putain! J'ai fait croire à Franck que ce détective était mon frère Jean-Guy, et qu'il était complètement gâteux depuis 3 ans. Ah, c'est bien, ça fait une petite variante. Vous avez raconté à tous les autres qu'il était mon frère Michel. C'était un effet alcoolique. Non mais, si tu butes sans toi qui sert avant que je revienne, qui es-tu bu? Mais le détective privé, Jean-Louis, mais nom de Dieu, mais retenez les noms, merde! Mais c'est parti. Alors empêchez-le de sortir d'ici. Bon maintenant, mais si c'est Franck qui revient avant moi... Mais oui, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben là, je vous plains, mon Dieu, je vous plains. Beaucoup. Et au lieu de l'utiliser, il me l'abandonne dans l'ascenseur. Michel n'en a plus besoin. Donc je le reprends. Oui, c'est ça, oui, merci encore. Oh, je garde
chambre. Via les quais. Et moi, ici. C'est tout. Vous avez eu une journée difficile, Jean-Louis. Non. Qu'est-ce que c'est? Room service. C'est room service. Je me suis dit que vous risquez d'en avoir besoin quand même. Enfin, si ça se trouve. Et non, ça va très bien maintenant. Regardez, il me reste qu'un petit boitement. Ça m'a été d'une grande aide. Et si vous êtes dérangé? Allez, et si? Je me suis perdue. Quoi? Je suis descendue par les secours comme vous l'aviez demandé. Et là, je
n'importe qui, lui raconter n'importe quoi. Hein. Bon, voilà, allongez-vous là, voilà, et asseyez-vous là, voilà, voilà. Vous êtes très gentil. Ah, c'est la moindre des choses, hein. Il faut savoir aider son prochain. Hein. Voilà, détendez-vous. Vous savez, j'ai une impression qui est curieuse à propos de cette suite 723. Dites-moi, on ne se connaît pas tout. Ah, du tout, du tout, du tout. Première fois que je me vois, mon vieux. Ah, voilà, allongez-vous et reposez-vous. Mon ami vous examinera dès qu'il arrivera. Il est médecin. Ah, oh, médecin, c'est une chance. Ah oui, n'est-ce pas, oui, là. Voilà, on va essayer d'allonger. Ah, voilà, voilà, voilà. Ah, ben, grand homme. Et si mon Dieu, vous êtes là. Je me demandais de qui passer, docteur. Le pire est arrivé. Mais plus tard, docteur, il y a des choses plus importantes. Docteur et Marie. Elle attend dans la suite à côté que je revienne pour l'heure. Docteur et Marie. Docteur Olivari. Comment ça, docteur Olivari? Vous deviez être capable d'aider notre pauvre ami. Ah oh. Il était à nouveau décédé. Ah. Ah, tout va bien, tout va bien. Je vous laisse en domaine de main avec le docteur Olivari. C'est un brillant horreur. Ah non. Ah non, ça continue, c'est vertier. Mais tout va bien, docteur. Ce pauvre garçon a perdu complètement la mémoire. Oh, c'est sûr, hein. Ah, c'est insensé. Je n'arrive même pas à me rappeler qui je suis. Ah oui, c'est terrible, oui. Il est incapable de s'arrêter de ce qu'il fait dans cet hôtel. Mais c'est horrible. C'est affreux, en effet, oui. La seule chose dont je me rappelle, oui, c'est que cette pièce m'est familière. Oh, ah. Et cette fenêtre aussi. Ouh, je pense que vous devriez mettre votre patient au lit, docteur. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Dans la suite à côté, par exemple. Non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Ah oui, mais j'attends un peu dans la suite, docteur. Oui, mais ça commence aussi à se remplir à côté. Je ne vous suis pas très bien, docteur. J'essaie de vous expliquer. Vous expliquez ça plus tard. Après avoir couché mon patient, là, ici, là. Parfait, parfait. Oh, ma femme a dit ça entre les doigts, et je n'arrive toujours pas à trouver cette ordure de Benoît. Mais pourquoi ne retournez-vous pas voir dans la suite 728 de nouveau? Monsieur Benoît est peut-être rentré, hein. Ah non, mais 728, j'y vais. Ah non, c'est de touche pas. Non, non, vous venez. Plus intelligent que Franck. Comptez, docteur Olivari. Mais non, c'est pas intelligent. Monsieur Benoît n'y est pas, il n'est plus là. Mais on ne sait jamais, monsieur Benoît, peut-être rentré. Mais Franck ne risque rien d'essayer. Mais non, j'étais avec monsieur Benoît il n'y a pas 5 minutes. Ah, allons bon. Oui. Où ça? À la piscine de l'hôtel. À la piscine? À la piscine. Oui, oui. On a fait quelques longueurs ensemble. J'avais une embolée des longueurs à ce fumier. Attendez-vous. Une seconde. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Mais oui, bien sûr. Vous êtes Jordi. Le frère gâteux de Monsieur Couy. Comment ça, Jordi? Je suis votre frère gâteux? Eh bien oui, c'est comme ça. Frère? Tout à fait, tout à fait. Oh la vache! Oh, on est madame de peur! Jean-Guy, juste un peu azimuté. Je comprends très bien pourquoi Jean-Guy est azimuté. Oui, bon, ça va. Moi aussi. Commence un peu azimuté. Ah, pas trop, Jean-Guy. Jean-Louis, très bien, pourquoi j'allais pas expliquer à Jean-Guy notre lien de parenté? Bon. Ah oui, pourquoi? 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 Pourquoi, mon Jean-Guy, oui, pourquoi? Bien, parce que... Mais parce que vous êtes malade, voilà. Depuis quelque temps, la mémoire, ça va, ça vient. Mais vous avez un nom pour ça, docteur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, j'ai un nom pour ça, oui. Oh! Qu'est-ce que c'est? Allez ouvrir la porte, s'il vous plaît, docteur. Monsieur Couy, oui. Est-ce que je peux d'abord vous parler de quelque chose de bien privé? Il y en a pour 2 minutes. Plus tard, docteur. Allez d'abord ouvrir la porte, moi je vais mettre Jean-Guy au lit. Allez, faut que vous ne le faites pas. Ah, mais si on n'est pas sympa entre frères, Jean-Guy. Qui est là? Tout ça, Seigneur, tout ça, c'est pour le lit. Le lit est occupé. Et le lit de la 728 aussi est occupé. Oh, on est comme ça, on est deux. Champagne, du caviar. Oui, bien pour le billet. Oh, c'est Myrtille. Bon, c'est Myrtille. Mais
côté. À côté? Oui, dans 728, là, chez moi, c'est juste à côté. Là. Et pourquoi j'irai? Mais pour faire l'amour. Allô? Qu'est-ce que vous voulez encore, mademoiselle Morillo? Oh merde!
Elle est destinée à cette Morillon. Non. C'était destiné à Madame Comic. J'ai essayé de vous le dire à maintes reprises. Mais qu'est-ce qu'il peut se dire?
Je vais d'abord retrouver Ségolène et je vais la traîner jusque chez Bono. Mais pourquoi faire ça, Franck?
suppose qu'on a envie de s'en aller. Mais je l'espère aussi. Qui est chargé de nous ramener? Elle est déjà partie. Ah. Oh. Mais qui est-ce? Lui, on le loue avec la chambre. Il est retourné dans la 728. Je solutionne le problème de Madame Coïc. Ah. Je ne crois pas, mais vous êtes...
des enfants. Et l'un de ses enfants est une fille, une petite fille, qui maintenant est une grande et belle fille, une belle plante avec tout ce qu'il faut là où il faut. Bon, cette femme s'appelle Ève et je l'ai épousée aujourd'hui. Et alors? Ben alors c'était évident. Jean-Louis a invité votre femme ici où elle a eu lieu la réception de son mariage. Mais pourquoi moi? Est-ce que je n'étais pas invité? C'était juste pour la famille proche, Franck. Ah, parce que moi je ne suis pas de la famille proche. Bon, je vais éclaircir ça avec Ségolène. Mais qui est Ségolène? Ah, pas question de piège, merci. Et Ségolène est la femme de Franck Ariel. Mais je suis nerveux. Laisse-moi Franck. Ah oui, si on veut. Enfin, une femme qui ne considère pas comme faisant partie de la famille proche, c'est fort de café. Oui, ça suffit, Ariel. Invite-toi et attends-moi à la cafétéria de l'Assemblée. Je crois que je préfère rester ici pour rencontrer Ève. Rencontrer Ève? Pour la féliciter, c'est la membre des corrections. Chérie. Jean-Louis est l'un des plus fidèles collaborateurs. C'est pas possible. Elle joue à cache-cache, ça peut durer des heures. Mais ne sois pas ridicule, j'ai simplement envie de rencontrer cette jeune femme. Oui, mais elle ne veut pas te rencontrer. Et moi, je ne veux pas que toi la rencontres. Bah, pourquoi donc? Parce que je l'apprécie pas du tout, elle. Je la trouve agressive, prétentieuse, et absolument sans aucun charme. Oui, mais moi, je l'aime bien. Si. Même si tu penses, ça ne se dit pas. Je regrette, Ariel, mais j'ai toujours été franc. C'est souvent mon plus grand défaut. Elle est tellement laide, Jean-Louis. Oui. Ah ben, je dis ce que je pense, Ariel, désolé. Ah, pratiquement, il m'a dit de prendre l'espoir aujourd'hui. Ah, oui, il m'a dit, c'est très laid, elle. Bien, je comprends maintenant pourquoi la pauvre fille se cache. Allez la chercher, Jean-Louis. Ariel! Philippe, tu n'as qu'à partir. Et toi, tu vas finir par s'impatienter. Jean-Louis, je ne sais pas avec qui c'est la faute, mais j'ai l'impression que les choses ont pris une sale tournure. Une sale tournure? Mais c'est un euphémisme, là. Est-ce que vous vous rendez bien compte du mal que vous m'avez fait? Il y a cette pauvre mademoiselle Bourguignon. Mais tout va bien, elle est dans la penderie. Et puis, il faut que je la ramène à la maison. Chez maman. Attendez, je me fous de votre mère, mademoiselle Bourguignon. Ariel ne partira pas tant qu'on n'ira pas présenter Ève. Eh bien, madame Comique va rester ici pour la vie. Mais quel con. Mais je sais où est. Oui, et où? Mais dans la penderie. Ah non, ah merde, non, non. Mais si, mais si. Mais si cette femme était prête à faire sauvagement l'amour avec vous, Jean-Louis, alors cette femme est prête à tout. Mais monsieur Coïc. Monsieur Coïc. Oh, mais pas. T'appelle-moi. Allez, expliquez à cette morillon ce qu'elle peut faire. Vous ne pensez pas qu'on a suffisamment fait de mal pour ce soir? Jean-Louis, Édouard, attends. Oh, encore une tuée. Hugo, pur hasard, madame la directrice. Mais qu'est-ce que vous faites déguiser comme une autruche quand ça...
voiture directement, monsieur Baudot? Évidemment, Bernard. Parce que je crois qu'un versement mensuel serait la meilleure solution. Terrible et horrible. Oh mon Dieu.